Hey, salut les gens, on se retrouve. Ah, purée. Moi, je t'ai dit que ça n'avait pas faire. Presque en vie. On se retrouve presque en vie. Mais Katak, je crois qu'il est plus avec moi. Moi, pour moi, la voiture, elle est devant le. Moi, ça va. Elle est devant le bar, tu vois. Donc, Ok. Je suis arrivé. Je pense que les voitures sont un nid à des synchros. Ouais, les voitures, c'est pas top. Hein. C'est bien en solo, à plusieurs, c'est pas top. Ah, mais dans le prochain patch, dans 3 ans, ce sera bon. Ce sera réglé. Hop, on pose ça. Hop là. Bouteille d'eau, il l'a remise dans le sac. Fantastique. Pourquoi j'ai une blouse chirurgicale? Je sais pas, moi. Pourquoi tu poses des questions bizarres comme ça, hein? Dans l'hôpital psychiatrique, faut y retourner. Hein. Est-ce qu'on a mis les munitions et autres? Par terre. Il y a plein de trucs par terre au sol, moi j'attends que tu sois rangé, mais ça ne l'est pas. Cette question Katox, quoi. J'avoue que je suis en mode flemme rangement aujourd'hui. Je prends un fusil à pompe comme toi. Et donc t'as pris plusieurs chargeurs? Non, c'est des munitions de quoi? Ah non, c'est une lampe, ok. Ah, on met direct les munitions de calibre 12 dedans. Ouais, okay. Pas énorme des munitions de calibre 12 de ce que t'as ramené, si j'ai bien. Oh, j'en ai 5 boîtes, ça va aller. Il a de la chance dans 5 boîtes. Il les garde pour lui. Ça. Comment on fait pour. Alors, celle-là, elle est quasiment bien en état. Ok, c'est cool. En même temps, 5 boîtes, ça fait que 120 balles. Hein. À raison de 3 ou 4 zombies par balle, normalement, c'est pas si mal. Hein. Voilà, c'est bien mieux comme ça. C'est un peu le bordel sur ce parking quand même. Où il ressemble celui-là. Faut que j'aille manger pour de vrai. Oh, il est en bon état. Faut que j'aille boire. On peut pas réparer. On en a beaucoup des battes de baseball d'avance ou pas là? Aucune idée. J'ai encore perdu ma batte de baseball. Normalement, c'est là-dedans. Carrelage. Rien à voir. Bah, ils sont où les battes de baseball d'avance? Dame Ned! Longtemps qu'on n'a pas joué, je sais plus où ça a été rangé. Hein. Pour moi, tout ça, c'était dans le comptoir à l'entrée, mais. C'était. Non, les boîtes à côté de la porte. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, les boîtes, exact. Donc tu le dis. Il y avait des bouteilles d'eau aussi. Là, il y a des bidons d'essence vides. Non, y a pas de batte là-dedans. Bah ouais, c'est bien ce que je dis, y'a rien. Là, dans l'angle. Là, le meuble d'angle. Super. Il me semblait bien qu'il y en avait. Elles sont en super état ces bagnoles. Ouais. Ça pose combien d'eux quand même? On va en poser une. Le problème c'est qu'on n'a pas de clé, mais... Puff. Ok, y'a pas ce qu'il faut. Un miroir. On a pas la clé, hein? Non, pas la clé. Celle-là, je vais la mettre là. Celle-là, elle est comment en état? Elle est pas terrible. Ah, j'avais commencé à la dépiauter, celle-là. Très bien. On a une ambulance. J'ai un mauvais souvenir d'une ambulance. C'était pas une ambulance qui nous avait foutu dans la merde la saison d'avant, dans le mall? Non, jamais. Non. C'est pas l'ambulance qui nous avait foutu dans la merde. C'est juste que j'avais pas réussi à monter dedans. Puis vous étiez parti. Parce que tu nous avais dit de partir parce que tu étais dans le mal. Oui, mais quand même. En général, quand le mec il dit ça, tu dis non, on va te sauver et tout. Puis les gens ils se sacrifient pour venir sauver l'autre. On laisse personne même derrière. Même si on a 5 qui meurent, voilà, c'est ça, ouais, quoi, normalement. Bah écoute, j'avais été un peu déçu. 17h40, c'est pas une bonne idée d'aller tout de suite dans le mall, mais bon. Une fois mort, ils m'embêteront plus. Pourquoi je porte trop de trucs, c'est pas vrai? Oh putain, mais tous les véhicules qu'on a, ils sont en super état, c'est cool. Est-ce qu'il y a des. C'est si lourd que ça, tes antidouleurs? Quasi en métal. Normalement non. Sauf si j'ai rajouté du plomb dedans, mais. C'est pas l'idée. Après, si t'as pris 250 pilules, ça peut peser quoi. Je vais donner 4 plaquettes. Ah, moi, ça pèse 5. Ah, j'ai 5 de poids en cartouche. Ah bah oui, d'accord. Bah oui, les cartouches pèsent peut-être plus lourd que les antidouleurs. Ouais. Moi, je serais toi. Tu peux tenter de les manger, peut-être que ça va te soigner déjà. Et en fait, ça fera de la place. Après, tu fais ce que tu veux.
Non. Qu'est-ce qu'on a dans les congés? Non, je crois que je vais tirer, tout simplement. C'est une technique. De préférence sur des zombies quand même. Hein. Ah, je suis en train de... Rater. Encore rater. Faire des tacos, tiens. Ah, les premiers tirs, ils sont pitoyables. Hein. Avec 4 balles et je l'ai eu. Hein. Ah. T'auras les 100 prochains qui vont te courir après. Normalement, t'étais censé les tuer plus efficacement, hein, quand même. Je tiens à le dire. J'étais pas dans le... T'as pas une lunette de visée sur ton fusil à pompe? Non. Histoire de... Mais j'ai des lunettes d'aviateur pour avoir l'air trop classe. Ah bah non, je les ai plus. Quelqu'un a dû me les faucher pendant que j'étais mourant. Eh, plus 1 en furtivité. C'est probablement Damned. Probablement. Oh purée! Mais il y a une horde ici! C'est le mot là! Oui, ah, où est la bouffe? Attends, la horde, en plus ils sont équipés avec des fusils quoi! Ah ouais? Et ils s'en servent? Ouais, c'est la question. Mieux que moi! J'imagine les zombies couilles! Bah, demande-leur s'ils peuvent pas te faire une formation! J'étais en train de préparer des tacos, attends, 2 secondes. Je te finis ça. Et sérieux, je suis devant le mall en plein milieu de la nuit en train de combattre des zombies et t'en as un autre qui fait des tacos. J'aime bien la répartition des tâches, quoi. Écoute, c'est toi qui as choisi de partir avant que j'ai fini mes tacos. Oui, oui. Soyons honnêtes. Pour la peine, je rajoute du fromage. Voilà. Du travail. Ah tiens, encore un fusil à pompe JS. Un petit peu de bacon dans mon tacos, tiens. Il va falloir que je le cuise, du coup. La bonne idée. Une petite sauce piquante. Du coup, faut que je le cuise. Le tacos chou bacon. Oh. Un grand classique. Oh là là là, vous n'aurez plus, vous n'aurez plus jamais besoin de digérer. Eh, hey, j'ai pas mis de miel, hein. Bah non, non, c'est trop trop facile. La gelée de framboise, par contre. Ça deviendrait presque bon. Ça deviendrait... J'aime bien le presque, quoi. Ça deviendrait presque bon. Ah mince, il cuit pas, mon tacos. Faut que je... Comment je fais, du coup? Tu m'étonnes. Tu pètes dessus. Ah non, mais je me disais, il y a du bacon frais, il y a du bacon cru dedans, et peut-être qu'il faut que je le mette à chauffer, mais en fait, il aurait peut-être fallu que je fasse cuire le bacon avant. C'est bizarre. C'était une idée. Alors, je dirais que oui. Franchement, c'est bien possible, hein, c'est vrai, on va pas se le cacher, c'est bien possible. Bah, disons que jusqu'ici, vu comment le jeu gérait, j'y ai pas trop pensé, mais ouais, peut-être que du coup. Au pire, je le monte à 200 degrés, on va bien voir s'il cuit, hein. Bien. Ça finira bien par cuire. Hein. Sinon, on a un médecin, hein, un peu de bacon cru, ça a jamais tué personne. Non. Non, non, au contraire. Je le recommande une fois par jour de manger du bacon cru. Je le mange. Bah oui, c'est bon pour les vers. Bah, dis donc, si tu luttes contre ça, enfin ton corps a ça, si tu te fais infecter, en fait, les bactéries que t'as chopées à cause du bacon cru, là, c'est parasites, hein, c'est pas des bactéries. Oui. Pardon, les parasites, excuse-moi, tu as raison. Chasse le virus, donc je peux pas devenir zombie en fait. C'est beau. Je suis en train de tester. J'ai beaucoup d'icônes là quand même. Bon, après tout, moi aussi, j'ai un double canon. Il est où le môle? Que j'aille un peu m'amuser. C'est tout à droite, hein. Tout à droite. Mais c'est la nuit là. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas l'heure. Ah si. 19h40. Ah, j'ai l'heure en fait. Mm-hmm. Ah, ça sert à rien là. Je reviendrai. Allez, on va se faire une petite sauce. Que j'ai pu faire de ma voiture? Je sais pas si je suis venu en voiture. Alors là. Je me demanderais bien comment est-ce qu'on fixe les améliorations sur les armes. Tu fais glisser dessus? Avec contrôle. Alt, shift, contrôle. Bah, je suis désolé, mais le fusil à double canon, il marche très bien. Un coup, un mort. C'est... J'ai entendu d'ailleurs. Okay. Ah bon?
Non, j'étais pas à côté. Hein. Ah ouais, j'étais, mais au moins, j'étais au moins 100 mètres. Bah voilà, bah en tout cas, le zombie, non seulement il est mort, il a même reculé à cause du tir, quoi. Tu m'étonnes. Pourquoi j'ai chaud ? Il a reculé en me voyant, surtout. C'est vrai. Ah, il fait 22 degrés dans cette pièce, à cause de mes bon, fours. Bon, ça se trouve, je dis ça, mon perso est super bon pour les tirs à distance. Hein. Ah ouais, il a 0 et 0. Putain, il est balèze. On peut pas rajouter un petit peu de sang ? Alors, le fusil, c'est bien, mais c'est plutôt une arme de mêlée, quoi. Ah quoi oui, c'est sûr. Puis y'a que deux balles dedans, hein, donc. Ah non, moi y'en a 6. Ah, mais moi c'est un fusil à double canon, donc. 1, 2. Il fallait prendre le JS 2000. Ouais, mais. Franchement, là, le tir. Efficace. J'ai bien aimé. Fait le taf. Ouais, ça fait le taf, ouais. Et plus de balles. Bon, faut que j'aille m'entraîner encore un peu, parce que alors la vitesse où ça monte, la compétence, il va falloir utiliser quelques boîtes de cartouches. Hein. Pourquoi je peux pas tirer? Bah moi c'est je suis monté quand même à 6, à 8 en cuisine, c'est propre. Ah oui. Ah, ça s'entend encore. Tu défends la grille, c'est ça? Oui, oui, oui. Je vais plus loin pour être sûr de... Sûr de vous attirer personne supplémentaire. Exactement. Bah je peux vous dire que ça nettoie. Hein. Ah, ah c'est bon. Sauf si on rate, par contre après on est mal. J'ai perdu mon chapeau. Encore! Je suis barbouillé, où est le médecin? Le chapeau de Damned. Je vais voir une brique de. Non, là j'ai trop d'icônes. C'est bien, tu te mets à l'entrée de la porte, attends qu'ils arrivent. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'icônes. Non, mais ils passent par la fenêtre, c'est pas drôle! Oh que si. Triche. J'appelle la triche. On a toujours pas de porte, hein? Non, mais on a des fusils. Katox, on n'a pas de porte. Et gratigner saignement. Oh, mais c'est rien ça. Je peux travailler ça. Je sais même pas si j'ai ce qu'il faut pour. Mais si t'as ce qu'il faut, ouais. 10 fois même. Permettez, je vais récupérer mon château. Mon chapeau. Damnette, je crois que j'ai de la fièvre. J'ai des chouettes. C'est con. J'arrive, mais je récupère mon chapeau de cow-boy mouillé. Ouais, mouillé. Mais il est mouillé. Il me dit que j'ai désagréablement chaud d'un coup là. C'est rien ça. Ça fait ça quand ça va mieux. Ah bah non alors. Ah mais y'a plein de zombies là contre la porte. Bah oui. Pour amuser. Tu tires. Il va casser la porte. T'es non, pas non, sérieux non. Là. Bah je les attire loin, ça va. Bah je crois. Slan, je t'ai vu, tu t'es fait un bandage tout seul. Oh bah oui parce que si j'attends qu'il arrive, je vais chercher du désinfectant. J'ai que 7% de chance de mourir par égratignure. C'est bizarre hein, quand même parce que j'ai tiré au fusil et à côté il y a deux zombies qui tapent à une porte, bah ils sont même pas arrêtés, ils continuent de taper à la porte. Bah oui. Ils ont rien à foutre du bruit du fusil. Voilà, bim, one shot. Par contre, si vous pouvez arrêter de taper à la porte, s'il vous plaît. Ah, si vous pouvez arrêter de me mordre aussi. Combien? Ouais, bon, ok, on a quelques. Aïe 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 aïe. Est-ce que je suis mordu? Non, égratigné, saignement, tout va bien. Il faut pas que je fasse avec des bandages sales. T'as pas des bandages propres? Par contre, j'ai des zombies aussi. Je vais les attirer plus loin. Ouais, c'est bien. Ouais, en général, quand on commence à sentir les armes à feu, ça sent le pâté, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, je voulais ranger les armes à feu, franchement. J'y arrive à rien, moi, avec ça. Franchement, le fusil à double canon, il est pas mal. Par contre, effectivement, il faut être un peu trop près du zombie, quoi. Mais ça marche. Bah, c'est surtout que c'est lourd à porter, tout ça. Oui, surtout. En vrai, avec le fusil à double canon, moi, enfin, avec le fusil canoncier, je t'ai fait un massacre hein, dans le centre. Ouais. Tu m'étonnes. Mais ils étaient tous paquets aussi. À chaque fois, tu ratais ta cible, t'en tuais 3 autres. Bah oui, bah c'est le principe. C'est le principe du fusil à canoncier. On a totalement le principe. Pourquoi je vois quelqu'un qui court autour de la maison avec 14 zombies au cul? C'est pas moi. C'est pas Damned. C'est un guest star. Ah, c'est un guest star.
Aurais-je entendu un coup de fusil? Ah, aurais-je entendu un deuxième coup de fusil? Aurais-je entendu un troisième coup de fusil? Ça peut pas être toi du coup, t'as pas assez de munitions. Ça peut déjà, et en plus de ça, je suis en train de courir. Allez hop, on y va. C'est dangereux de sortir, y'a des balles qui volent ou comment ça se passe? Bah c'est surtout pour l'instant, y'a pas de porte hein, donc Regardez, moi je les avais attirés, j'ai fait tout le tour du bâtiment pour pas qu'ils me suivent. Mais bon. Ah ouais, on te reconnaît pas quand t'as pas ton chapeau quoi. J'ai cru que c'était un zombie. Bah ouais, regarde, alors que là, regarde tout de suite, tu vois, hop, regarde, hop, t'as vu, on reconnaît. Ah bah ouais, ah bah direct là, ouais, y a pas ouais, faut que j'aille manger et boire. Vous faites quoi précisément à part tourner autour du truc? Bah moi je suis barbouillé, j'attends que Damned me soigne, mais visiblement c'est pas... Comment t'as réussi à être barbouillé? Tu sors jamais? Il se pourrait qu'il y ait une histoire de bacon cru. Il va rien te soigner du tout, tu vas te mettre au lit et puis c'est tout. Bah surtout quoi, je sais pas trop quoi faire. Si je sais. Mets lui un bandage. Bah non, je te... Il faut que je t'ouvre et que je te mette un bandage autour de l'estomac, mais ça va bien se passer. Il m'a fallu un cataplasme. Note à vous-même, les armes peuvent s'enrayer. Ah, ah, c'est dommage. Ah, c'est dans drôle. Ce là, vous devez vraiment aller chercher dans votre inventaire, la faire désenrayer. Voilà. Du coup, tu peux ça prendre ça à volonté, ça hein. Il n'y a pas de limite de temps. Et si t'en as pas assez, tu viens me voir et je t'enfile quelques boîtes. Non, mais arrête de lui faire boire tout le désinfectant, sérieux. Je suis pas sûr que les antibiotiques, ça soit les tout à fait adéquat, mais... Bah si, si t'as chopé une infection. Ouais, je pense que j'ai juste mal au bide, si t'as des bactéries, les bactéries, les antibiotiques luttent contre les bactéries. C'est vrai. Pourquoi je suis essoufflé encore? Et on grande pas que les antibiotiques, c'est... automatique. Non, pas automatique. Enfin, sauf avec moi, oui, avec moi c'est automatique. Qu'est-ce que tu fais à prendre des trucs dans mon frigo, toi? C'est des yaourts, t'avais l'intention de faire un gâteau yaourt? Un gâteau yaourt, exactement. Ah, il y avait un sauté là. Y'a rien. Il y avait un sauté dans le four. Ce serait ton objectif d'ailleurs, ça, faire un gâteau yaourt. Presque pas brûlé en plus. Mais il est cramé, c'est dégueu. Attends, ennui plus 28, je viens de te dire que je suis en grosse dépression. C'est pas vrai. Mais non, je viens de voir ton état général, il est ok, tu vas bien. Oui, je suis ok, mais ennui plus 28. Mais pas toi, je parle au signe. Bah, ça me dit que je suis barbouillé. Ah oui, bah ça après, moi je suis médecin, ça je peux pas le voir. Il est médecin, il est pas là pour te soigner non plus. Hein. Ça suffit un peu les conneries. D'abord, tu vas faire des analyses, hein. Tu fais un scanner. Oui, exactement. Je vais vous envoyer faire passer une IRM, tiens. Tout à fait. Tu vas au centre médical, si tu veux, je t'amène, je sais où il est. Bon, c'est un centre médical. J'allais te dire, vous pouvez demander à Slade, il peut vous emmener, il connaît parfaitement la zone. C'est un centre médical dentiste, mais ça marche, hein. Oui, ouais, on a une porte ou c'est tout grand ouvert en plein milieu de la nuit sans qu'il y ait de porte? T'as dit qu'il fallait pas ouvrir. T'as dit qu'il fallait pas fermer la porte. Non, on ferme pas la porte, on est obéissant. Oui. Mais j'ai aussi dit il faudrait une porte. Moi j'attends que Katox il vienne faire le fer ailleurs. Ah, j'entends taper là, donc c'est bon, il est en train de la faire. Ouais. Il l'a fait avec son fusil, c'est une nouvelle façon. En fait, il tire des plombs jusqu'à agglomérer une porte en fait. Non, je peux faire un tas de cadavres devant pour bloquer l'entrée. C'est pas mal aussi, ouais. Ah, j'ai pas assez de sucre, il faut plus de sucre. Sinon, vous avez qu'à fermer les deux portes intérieures et vous arrêtez de m'emmerder. Ouais, mais Slam, il a dit que c'était pas bien. Soi-disant. Bah oui, c'est pas que soi-disant. Si on les laisse rentrer dans la base, on a une base avec juste une seule entrée et... Ah, tu l'es avant. Bah, je vais le faire moi-même, hein, si c'est ça. Alors, prendre, il me faut refaire mes outils. Un œuf, genre on n'a pas d'œuf quoi. Ouvrir la boîte d'œuf. Hop. Bim. Oh, il a ouvert. C'est quoi une boîte ça d'œuf. J'ai chaud, j'ai mal, je suis blessé, je suis à bout de nerfs, je suis dépressif, je suis paniqué. C'est bon, j'y vais. Faut un bol. C'est mieux que ça, ça va. Faut un bol. Non quoi. Mais moi, je sais pas faire une porte moi. Nom du filtre, porte. Ah, moi, vous m'avez demandé un gâteau, je fais un gâteau, hein. Chacun son tour. Un cadre de porte d'abord. Bah, ouais, mais je tapais porte, il connaît pas, alors qu'est-ce qu'il connaît cadre? Non, il connaît pas cadre. Mais on a pas de levure, comment vous voulez que je fasse un gâteau, bordel? Mais que fait les mecs, que fait le ravitailleur là? Rien que pour faire une porte classique, il faut 7 en travail de métaux. Ouais. Oh. C'est infernal ça.
il faut de la levure. Bon bah je range mes œufs du coup. Voilà. Et des pâtes si tu veux. Peut-être que si tu broies les pâtes ça ferait de la levure. Mais honnêtement j'y crois pas trop. Hein. Non moi non plus. Les mecs ils pensent... Ouais bah si tu broies ça fait de la poudre, ça ressemble à la levure, ça doit marcher. Oui. Ouais. C'est pareil, non? Je sais pas. Je suis déçu. J'ai l'impression que les zombies me voient la nuit. La cuisine moi, pour qui, les... moi qui m'attendais à ce que Slan soit efficace, je suis déçu. Non, la cuisine pour les gros nuls, même. Je sais pas, on m'a offert ça. Je suis sûr que ça fait 25 épisodes que je demande de la levure et j'en ai toujours pas, quoi. Moi je suis en train d'aller fouiller si je trouve de la levure, mais. On n'a pas une pâtisserie pas loin? Ça me parle. Genre en face? Bah, genre en face, ouais. Ça me parle ce truc. Du coup, s'il y a une pâtisserie, il y a peut-être de la levure. Il fait peut-être un peu nuit, quoi. C'est un peu ça la faiblesse des plans. J'en sais rien, moi je suis un petit peu coincé là, c'est rien. Ah non, c'est ice tasty. Merde. Ah, ils ont des cônes. Peut-être que si tu broies des cônes, par contre. Sinon, tu fais un levain, hein. Tu le laisses comme ça et ça prend tout seul. J'ai du liquide vaisselle si tu veux essayer. Ça se dit cuisine. Garde-le pour désinfecter. Oui, je sais que t'aimes ça. T'as essayé de désinfecter la levure pour voir? Attends, faut y en avoir déjà. Enfin, je crois, si j'ai bien compris. Bah, a priori, on en a pas. Enfin, après, c'est possible que ce soit dans un tas quelque part que quelqu'un n'en a pas rangé. Je veux tester. J'ai trouvé un rat mort, pourri, cru. Ah bah il faut le faire cuire. De toute évidence. Essayer de le faire cuire, ouais. Tu veux essayer? Je te ramène ça. J'ai gagné un point de course, c'est la teuf. C'est marqué dangereux cru. Bon bah, vu qu'il est pourri, mais visiblement c'est dangereux cru, peut-être que cuit ça passera. Oui. Tu le fais un peu tremper dans le vinaigre avant, c'est bon. C'est ça, dans le liquide vaisselle. Moi je le donne au cuistot, hein. Moi c'est pas mon métier. Ça c'est... Je mets ça dans le frigo quand même pour que ça le conserve. Parce que c'est pas parce qu'il est pourri qu'il faut faire n'importe quoi. Ah là là. Quelle conscience professionnelle. T'as vu? Voilà. Il est pas frais encore, hein, mais... Mais je le mets au frigo. Vu que toutes les portes sont ouvertes, c'est que probablement ça a dû être fouillé. Bon, cela dit, j'ai trouvé ça dans le magasin de pâtisserie, mais j'ai pas trouvé de levure. Ou alors c'était ça qu'elle utilisait comme levure. Mais bon. Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gâteaux dans la vitrine encore. Oups. Cette cuisine, il n'y a que dalle quoi. Cafard cru, même pas pourri, dis donc. Ça, je suis sûr que ça fait une bonne levure. Moi, j'en suis sûr et certain. Alors... Ouais, broyé en petits morceaux, en poudre et tout. Ouais. T'as un camping-car, y'a pas la levure là-dedans? Ouais, j'ai vérifié, il était fermé. Ah oui. Et t'as pas de quoi l'ouvrir, toi? Bah, je peux éventuellement démonter des bouts pour l'ouvrir, mais bon. Il démonte la roue, il passe. Il démonte un peu le pare-choc, il passe entre la roue et le pare-choc pour accéder au siège, et de l'intérieur, il déverrouille. Donc si j'ai bien compris, bientôt il y aura des PNJ, c'est bien ça? Ouais, et des animaux je crois aussi. Et des animaux. Et des quêtes. Merde, il y a un zombie. Et des quêtes. Oula. Genre le mec il va te dire, je sais que c'est de l'apocalypse, mais j'ai vraiment envie de faire de la pâtisserie, va me chercher 3 levures. C'est tellement ça, putain. Les quêtes FedEx, quoi. Les quêtes FedEx pâtisserie. Quoi, mec? Pas du tout réaliste. Tu passes pas. Tiens, regarde ce que je t'ai ramené. De la levure? Non. Ah, merde. Oh, bon, bah, je repars alors. Non, mais je les vois bien arriver, les quêtes comme ça, moi. C'est garé devant, en tout cas. Un camion de levure. Camion de levure, ah génial. Un camion de levure, ouais. Je vérifie s'il y a de la levure à l'arrière. Sinon t'as été voir dans la brasserie, peut-être qu'il y en a. Trouver du café. Putain, il a réussi à se garer sur le tas de zombies, du coup c'est impossible de voir le coffre, quoi. Du thé, du sucre. Non, c'est un bug. Des flocons d'avoine.
Une lunchbox? Sérieusement? Lunchbox, ouais, exactement. Tu m'aurais pas roulé dessus au moins? Bah, t'es descendu alors que je roulais aussi, t'es un peu con. Bah, voyons. Ah bah écoute, bah, j'ai pas d'autres mots. Bon, toujours pas de porte ici. On va déverrouiller le coffre, voilà. Et le mec, je monte dans le camion, je le démarre, il monte à côté, je me dis bon ok, il monte à côté, je roule, il descend, et après c'est de ma faute quoi. Ouais, mais ça c'était de l'à peu près. Il est temps que j'aille faire une lessive. Il y a une batte de baseball dans le coffre, mais il n'y a pas de levure. Hein. On m'a un peu vendu du rêve, je trouve. On va te ramener un gâteau tout fait, ce sera plus simple. Ça sera probablement pourri depuis le temps, mais... Pour la peine, je m'allume une clope. Voilà. Bonne idée. Alors, là-dedans, on va mettre des chaussettes, c'est sale. Des bottes. Un gilet pare-balles. Oh putain, c'est tout pour cette zone. Pantalon camouflage. Il a combien de trous? Il a un trou seulement. J'ai pare-balles, il en a deux. La veste militaire, elle a 7 trous. C'est beaucoup trop de trous. Bah, c'est pas toi qui étais censé repriser d'ailleurs? Non, c'est pas moi. Mais y a plein de vêtements que tu peux pas repriser. J'imagine que la veste militaire, tu peux pas. Après, j'ai pas confirmation. Tu peux peut-être la repriser avec. Tu peux repriser si t'as les ressources sur toi. Ah non, moi je pouvais pas, il me disait que ce vêtement-là ne pouvait pas être reprisé. Bah voyons, toujours des excuses. Ouais, après je suis peut-être juste mauvais aussi. Hein. Non, moi je pense que tu es doué. Je vais aller boire. Bien aimable. Boîte de clous, des tapettes à souris si vous voulez capturer des souris. Bah on va attendre qu'il y ait des animaux. Ouais, on n'est pas encore là je pense. Bah c'est vrai qu'il y a un système de piège, mais il n'y a rien à piéger en fait. Si, tu pièges des trucs partout. Après un certain temps, ça, c'est juste plein. D'accord. Bon, mon mec est en stress, faut rentrer, voilà. Il n'aime pas être dehors, le pauvre. Comment je monte déjà? Il fait tout le temps faim ici. Il n'y a jamais rien d'appétissant. Bravo. Plaisir. Pas de ma faute s'il n'y a pas de levure. Y'a quoi là-dedans? Bah y'a rien. Là-dedans, bah non, puisque t'as bouffé le truc et tu m'as pas dit, alors je te prépare un truc du coup. Bah, tu m'as dit viens le manger. J'étais le manger. Je pensais pas être obligé de te le dire. Bah mais je pense y a pas du que miel hein, si manger. Jamais tu veux faire du rôti. Y'a du miel et du jambon. Je vais me faire un sandwich, ça sera vite fait. Attends, je te prépare un petit truc là. Et hop, 9 barres de céréales. Oh là là, jamais content. Au moins ça, ça va m'en monter le moral. C'est incroyable. Incroyable comment on n'est pas considéré dans cette cuisine, quoi. Mais moi j'ai faim tout de suite, j'ai pas faim plus tard. Oh là là, mais... Je dirais que tu voudrais être considéré en tant que tel. Je te signale que si t'as pas à manger, c'est parce que je suis allé chercher de la levure que tu n'as pas ramenée, hein. Donc, Je t'ai ramené un camion. J'en ai à foutre d'un camion, j'ai besoin de levure. De la levure. Mais la porte, sérieux? Vous faites pas la porte? Mais on ne sait pas. On peut pas faire de porte, on t'a dit. Mais si, on peut. Il faut faire un cadre de porte. Attends, que c'est dit qu'il fallait 7 en travail des métaux pour faire une porte. Pas le niveau, non, c'est 5. Non. Pourquoi il y a un plat à rôtir par terre hein? Ah, mais tu veux le faire en métal ton cadre de porte? Pourquoi tu le feras en métal? Fais-le en bois. Bah, je sais pas, vous me dites de remplacer le truc en métal, moi je le fais en métal. Ah, tu veux mettre une porte en bois dans le truc en métal? Mais c'est absolument moche, Slan. Ah, y a un peu de Ah bah tu démontes tout ce qui est en métal autour, alors. Il y a un capot de bagnole ici, au milieu de deux battes de baseball. Ça n'a tellement pas de sens. Bah, c'est près du parking. Si c'est près du parking, ça a du sens. Comme si tout devait avoir un sens maintenant, tiens. Où sont les scies que je coupe du bois? On a plus de scie. Bon, j'ai pas de citron, mais normalement ça devrait être bon quand même. On a plus de scie ni de citron. Oh, d'accord. Six citrons. Six cyprès. Oh, bravo. Voilà, 31 de dépression en moins, ça te va cela ou pas? Si. Sinon, on fait comme dans le garage, hein, on met une voiture devant et ça bloque la grille. Je veux bien. Bah, il nous manque une Lada pour ça. J'arrive. Et la Viper, elle démarre plus? Parce que tant qu'à faire, autant bloquer avec classe, quoi.
C'est cuit ou c'est brûlé? Normalement c'est cuit, je goûte. Non! C'est pas vrai. Tiens. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'elle démarre. Saumon et légumes sautés. Bah ouais. Ouais. Ah, pas l'air appétissant, ouais. Videz la poêle. Mais non, tu la vides par terre. Oh putain. Ouais. Tiens. Bah, je suis toujours aussi dépressif. Hein. C'est pas de ma faute. Et prendre des antidouleurs. Je fais tout ce que je peux. Bon, mon mec, il est pas dépressif, hein. Je sais pas comment tu fais. Il aime cuisiner. Bah, j'ai arrêté de fumer. Ah ouais, ça joue. Et je m'y tiens. Bon, mais là, ça pique. Allez, on va mettre un peu de saumon de nouveau. Bon. Je vais voir si je peux te trouver des trucs. On va peut-être s'arrêter là pour l'épisode. Yep. Juste pile poil la bonne durée. Juste 20 secondes en tant que cadre de porte. A plus. Ciao, ciao tout le monde.